Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. En ce samedi du 24 juin 2022, c'est la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale des Québécois, Québécoises, mes compatriotes. Bonne fête de la Saint-Jean, il fait beau en plus. On attendait une belle journée, avec impatience, parce que je peux vous dire une chose, le froid était présent depuis un bon bout de temps. 15h32, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très, très mal. Mais rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Dans un contexte mondial, cyclique, très changeant, avec probablement un plongeon dans un grand minimum solaire qui nous amènerait pendant des décennies dans l'incertitude climatique, de la tourmente climatique. L'Europe avait connu ça avec le minimum de Maunder, beaucoup d'années froides, qui complique la vie de tout le monde, qui amène une anxiété incroyable. Quand tu t'en vas dans la littérature, beaucoup de conflits, beaucoup de virus, beaucoup de pandémies, ça ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui. Beaucoup d'anxiété. Les dirigeants le savent, on se dirige vers ça probablement. Et eux autres, ils préparent ça, ils savent les complications que ça va apporter au niveau surtout de l'alimentation, avec les 2 années et demie où on a en plus eu ce confinement mondial. Ça regarde vraiment pas bien. Ça va être très difficile et on le voit, il y a beaucoup de pays qui veulent s'approprier des terres pour essayer de nourrir leur population dans un grand minimum solaire qui pourrait durer des décennies. Pas, vraiment pas une sinécure. Pendant ce temps-là, tu as des conflits aussi qui perdurent. Puis là, on a un proche allié, imaginez-vous, c'est rapporté par news.com de notre ami Vladimir, qui appelle à frapper Londres en premier pendant la Troisième Guerre mondiale, qui a commencé déjà d'après plusieurs. Hein. Un proche allié politique de Poutine et général réserviste a appelé à ce qu'une grande ville occidentale soit la première touchée pendant la Troisième Guerre mondiale dans laquelle on est entré. Un allié politique proche de Poutine et général réserviste a appelé à ce que Londres soit la première touchée dans ce qui commence à ressembler de plus en plus à un troisième conflit mondial important. Le député Andrew Gurulyov, 54 ans, membre de la Commission de la défense du Parlement russe, a préconisé l'invasion des pays baltes de l'OTAN. Sur la chaîne 1 de la télévision d'État, il a déclaré qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'empêcher l'Occident de bloquer l'exclave russe de Kaliningrad. Et on a vu, hein, on avance avec des gens qui veulent, des pays qui veulent faire partie de l'Union européenne, on veut étendre l'Union européenne, on veut aussi probablement étendre l'OTAN. C'est très inquiétant ce qui s'en vient. Donc lui, il continue en disant, nous allons atténuer l'ensemble du système de défense antimissile partout et à 100%. Premièrement, nous détruirons tout le groupe de satellites spatiaux ennemis lors de la première opération aérienne, a déclaré ce lieutenant général, un commandant supérieur qui représente désormais la Russie unie, le principal parti politique pro-Poutine. Et deuxièmement, on atténuerait l'ensemble du système de défense antimissile partout et à 100%. Et troisièmement, nous ne partirons certainement pas de Varsovie, Paris ou Berlin. Le premier touché sera Londres. Il est clair que la menace pour le monde vient des anglo-saxons. Hein? Il y a une époque où on disait « Le soleil se couche jamais sur l'empire du Royaume-Uni. » C'est vrai que les anglo-saxons se sont fait beaucoup d'ennemis, ont dominé beaucoup de monde, ont exploité beaucoup de monde. Ça sent vraiment pas bien. Donc, je vous laisse cet article-là. Est-ce qu'on est rentré dedans directement? Ça se peut. Mais dans un grand minimum solaire, il y a beaucoup de tensions, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété et on le voit, je pense que ça ressemble de plus en plus à ça. Je vous reviens.